Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur News Daily. Nous voulons porter quelques updates qui ont rapport en fait avec l'immigration qu'on est bon ici là. Depuis, il y a plusieurs updates qui ont l'immigration nous porter pour. En fait, est-ce que nous connaissons jusqu'à présent, au moment où on a parlé avec vous là, eh bien, nous sommes supposés mettre en tête ici. En fait, Biden qui a choisi un certain Gonzalez qui peut devenir directeur ici depuis l'année dernière, un an plus tard, eh bien, nomination, monsieur, était dans les tiroirs au niveau du Sénat. Comment bien ça parle? On a parlé de ICI, en fait, ou compte ça ICI. C'est agency qui, de manière spécifique, job, c'est enforce la loi. On dit déporter. C'est job, ça. Ou gagne un pouvoir démocrate. Et que jusqu'à présent, ou pas capable de gagner un directeur ici. Ok? Eh bien, Fondou que. Et. Ed Gonzalez, si monsieur républicain, a inventé toute une série d'histoires pour monsieur pas arriver à un job là. Eh bien, dis-moi ce qui se passe, monsieur Vaux et Biden, et moins respectfully. Retiré comme candidat pour considération pour directeur ça nous les US Immigration Customs Enforcement. Et monsieur c'est un monde qui travaille actuellement comme shérif dans Harris County dans Texas. Et monsieur dit après qu'il fait en pile réflexion qui ça qui dans piste intérêt nation pour famille et puis pour monde qui dans county côté que là qui était élu pour le servir second terme shérif, il décide dit li by vague parce que comprendre bien un an yon medo yon mon ex directeur jusqu'à présent li pou ka passer au Sénat de la République. Et IC qui sont agency qui trouvait là à l'intérieur département Homeland Security et pas jamais arrivé confirmer un directeur depuis administration Obama. En fait, moi c'est que ça important pour me reprendre ça me dit ça m'a dit non là. Haïti pas jamais arrivé confirmer un directeur au niveau du Sénat depuis Obama. Comment ça veut dire? Ça veut dire 4 ans administration Trump là nous tout compte ça. Trump pas jamais qu'à arriver mettre un directeur Haïti parce que tout simplement mon état prend c'est des séries de monde qui pas et justement qualifié pour job là. Et Biden vini eh bien li pou moun nèg yo meton bon nèg yo al ouvre un dossier comme qualité bay madame ni après ça al faire enquête pa gran rien vraiment vrai monsieur vin senti tout job la c'est comme si yo vin meton bon dossier sou li alors que al vérifier pas ça you know zo monsieur dit ça que pou ko bay bag li te vle pou al faire enquête bay résultat enquête là avant et yo bay résultat enquête que al faire yo pa jwenn rien cette histoire comme quoi ta fait violence sou madame ni c'est ça que monsieur était candidat toujours sur depuis date ça ou ka comprendre ça monsieur ta retiré col et agent agency ça nous bien tout c'est lui même qui l'a pour kembe pour déporter immigrant investiguer crime et bien lui actuellement dirigé par un certain Terry Johnson qui c'est en acting comment le monde en acting ça veut dire on dit un directeur par intérim OK et dans une lettre que lui voyé by Biden en fait parlant de Gonzalez il dit Biden merci il retire call. Monsieur a expliqué le challenge que l'a fait face par rapport au côté lié, parce que le non-job comme shérif à Harris County. Il dit tout le bagage à Omenel à conclusion en 2022 qu'il t'a supposé qu'on y est là, bah, tout le temps, li, attention, l'énergie li, pour le capable de faire job qui n'a pas été collé, au lieu pour la l'air job, ça, puisque le nègre a couru d'elle. Dans une déclaration, porte-parole Maison Blanche dit que lui pensait que shérif Gonzalez a toute qualification, expérience pour le t'a fait job ça, et vraiment, vrai, il t'a un bon leader pour ici. Je remercie le volonté pour le servir, pour le servir, et malgré tes bonnes allégations que tu as fait contre lui et autres, bah, ça y est. Républicain sénateur de Oklahoma, c'est lui-même qui t'est venu avec cause, comme quoi tu as une cause domestique complète. Tu as dit avant, il faut faire investigation et autres. Effectivement, il a fait investigation. Il a fait ça, il a inquiri, bipartisan et indien. Et yo pas vraiment joint et en rien la donne et donc voilà et qui vient faire que jusqu'à présent là nous depuis Obama pourquoi j'aime qu'a gagne un directeur
nommé par le Sénat à la tête de Haïti. Et yon l'autre bon, j'en te dit li, j'en te annoncé là, effectivement, Supreme Court voté, t'as bien, et Supreme Court décision ça fait, journée jeudi à la beaucoup plus difficile, extrêmement difficile, pour changer des décisions, pour attaquer en justice sous base de tout yon groupe moun. Comment bien ça n'a pas dit, ah oui, les décisions de l'exécutif en matière d'immigration. Ça, ça veut dire. Eh bien, décision ça, en fait, nous capables de dire mi-figue, mi-raisin. Dans le sens que, ça va dépendre de qui moun qui est au pouvoir. Comment bien? Ça va dépendre de qui moun qui est au pouvoir. Mais sa décision ça a fait. Donc, il doit prendre plusieurs exemples. Et nous connaît plusieurs fois. Et il y a des juges qui prend ça n'a relé des on s'arrête en classe action. Je te fais le surtout classe action c'est lorsque on dit tout le monde là, on dit nous fait pour tout type pièce net. Et puis sous base ça, juge la prend décision et puis il casser décision. Ils font injonction préliminaire, ils casser décision exécutif là. Tel a été le cas pour Donald Trump. C'est sous base ça, il fait pour te qu'un petit pièce, c'est pas ça va taper un petit pièce. Tel a donc ça au moment là, il dit que yon moun ki senti victime ou ka tout pran l'avocat ou la justice ou gen nèg yo, mais li pa kont class action comme quoi tout moun profite de li. Par contre, si nous comprenons. En d'autres termes, par exemple, combat qui te mené là pour moun asile yo, nous konn ça. Combat qui mené pour moun asile yo qui fait que présentement tout moun asile normalement ta supposé si tu asile première fois yo, ta supposé retourner nan causer 4 travail automatique pour 30 jours parce que te font class action. Et les ou gagnent, c'est tout le monde sous asile qui gagne. OK. Donc, Supreme Court dit pas gagne bah comme ça. Il dit ou même qui sont simples immigrants sous pense aux victimes, ou va l'obliger jouer nous combat pas. Attendez bien. Ou va l'obliger jouer nous combat pas pour payer avocat pas pour aller bien et c'est pas 5 ans pour qu'on capable profiter de victoire ça. Pas gagne causer classe action. Pas gagne causer vraiment et Jean Doulia limifique biraisin nous capable de dire une décision comme ça arranger Biden en plus parce qu'il a bloqué plusieurs fois dans cause classe action il a bloqué sous bagarre Rimini Mexico et ça fait n'a tant cause Rimini Mexico automatiquement il a supposé bal raison. OK, et dans en d'autres termes c'est une décision on capable dire que li pas jamais te make sense. C'est vrai que gagne parfois li jouer un avantage immigrant sous Donald Trump mais li just pas make sense et lorsque et ou gagne un monde qui président. Et puis, autant de yon prend classe action, et puis autant de préliminaires injonction, yon bloqué. Faut nous d'accord, qui tout par email, on dit ou gen Trump qui vient président par email, c'est vrai, mais c'est le président. Si le président, pendant le président, si c'est 4 ans la fait président, ou obligé de faire 4 ans souffrir, la prend des politiques qui ka compte tout, ok? Mais le président, il faut, en fait, ça qui gagne, il faut qu'effectivement, il arrive dans un point pour yon respecter sa ndarele, droit que l'aide de la président pour lui, justement, et appliquer politique, conviction, ça qui définit le gouvernement. Là. Donc, Supreme Court, comprenez bien, la décision que le prend là, lui, vient effectivement faire lui très difficile pour yon ta challenge politique immigration au niveau de tribunal. Li lui dit malheureux qui pa gen kòp pou pran avocat ou pa ka joui par le fait que te gon on l'autre monde qui t'alise ou même qu'est-ce pour là il t'a la justice li gagne et ça relé classe action mal la justice moins gagne pour bagay li vinn bay tout l'autre monde qui gen même statut avèm yo tout gen même droit yo bénéficier. Et ben Supreme Court dit pa gen bagay comme ça chaque monde pour aller de manière séparée. On nous dit que son décision ou capable joui bien fait lorsque ou gen un président démocrate mais ou ap konnen gwan mè a tout lorsque ou gen un président républicain qui capable prendre des décisions calées à l'encontre des intérêts des immigrants et à ce moment de la durée immigrants sa yo pas capable justement c'est de manière séparée yo pas obligé à la justice pour défendre tête yo. Donc voilà et justement Jean situation ça y est, nous devons partager li avec nous. Bye bye tout le monde.